Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Aujourd'hui, on est lundi le 6 mai. Alors, on est lundi le 6 mai, puis là il est genre proche midi, quart, midi et demi je pense. Whatever, je vous éclaire ici. Puis là, en fait, moi j'ai terminé l'école, il me reste juste, c'est comme pas focus, ok. Moi il me reste juste mes examens pour ma session, puis j'ai terminé, fini le 14 mai. Donc mardi, pas lui, donc mardi le 14 mai, j'ai fini l'école! Puis là ce matin c'était, bon, Théo et Valdor. Donc ce matin c'était mon premier examen de ma semaine d'examen, en fait, mais comme deux semaines d'examen. Donc j'avais français, donc littérature, ça s'est quand même bien passé je crois. Là je me suis comme collé une poutine au dépanneur dans mon village. Puis j'allais me faire bronzer, puis comme juste profiter du soleil tantôt parce qu'il fait super beau. Une des très belles journées de printemps, puis j'allais étudier aussi dehors. Mais avant, j'allais chercher ma poutine. Fait que je m'en vais faire ça. On va prendre une petite marche. Viens ici. On va aller prendre une petite marche, toi et moi. Assis. Bon, donc je m'en vais promener mon chien. Non, 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 non. Bon, pas toi. Donc là, je m'en vais promener mon chien. On va aller au dépanneur. On va aller chercher la bouffe. Puis, j'amènerai pas ma caméra parce que j'ai comme peu de place à la traîner. Puis, ben, je vais prendre en revenant. Fait que. À tantôt. Bon, fait que là, je suis dehors, puis là, j'ai ma poutine ici, j'ai Théo là, puis j'ai comme mes études, puis je me suis commandé des chips, puis des jus. Puis là, j'ai juste de mettre une story sur, sur Instagram de comme, en tout cas de mon setup. On voit pas très bien, mais c'est ça. Donc là, je vais manger, je vais étudier, puis bien, ça va être pas mal ça pour mon après-midi. J'aimerais ça pour étudier marketing qui est mon examen demain, mais ça, je maîtrise quand même bien la matière. Textile qui est mercredi, marketing électronique qui est jeudi, puis pour mon examen de mardi prochain, créateur contemporain. Fait que j'essaie de faire ça aujourd'hui, puis c'est ça. Fait qu'on se reparle tantôt. Théo, c'est pas pour toi. Je ferai une petite pause de mon étude. J'ai comme fait la moitié de ce que je. De ce, même plus que la moitié dans mes objectifs d'aujourd'hui. Je me suis comme fait une petite liste avec tous mes objectifs. Hier, j'ai comme pas étudié, mais comme je rattrape mon. Mais je rattrape mon retard aujourd'hui. Puis ben, j'ai étudié, mais comme pas tout là. Ça peut-tu venir cette caméra-là, s'il te plaît? Merci, bonsoir. J'aime vraiment ça, ce petit spot-là pour vlogger. Fait que. Ouais. Mais là, je vais comme vider le lave-vaisselle, puis je vais prendre un petit café glacé parce que. Ok, récemment, là, j'ai des cafés glacés, puis c'est tellement bon, là, je trip. Fait que je vais en faire un tantôt. Je trouve ça trop bon. Fait que je vais en faire un. Puis je vais étudier. Puis ben, c'est pas mal ça pour ma journée jusqu'à maintenant. Puis là, j'ai fait un café glacé. Il a l'air vraiment pâle, mais il est pas si pâle que ça. Donc, je mets à peu près moitié café, moitié lait. Donc, moi, en fait, je suis nous en bas du 3.25 parce que j'aime pas le lait. Moi, puis mon frère, on aime pas le lait. Donc, c'est comme la seule manière pour qu'on boive du lait. Donc, assez crémeux. Donc, du 3.25. Puis, je rajoute de l'arôme de vanille. Donc, comme ça, le lait en reste presque plus. Mais je rajoute tout le temps un petit peu de ça. Puis, c'est super bon. J'aime vraiment ça depuis quelques jours, quelques semaines. Je bois ça, puis c'est super bon. Fait que c'est très très simple, puis ça coûte bien moins cher que d'aller mettre au Tim Hortons ou au McDo. Mais une fois de temps en temps, ça fait pas de tort d'aller au McDo ou au Tim Hortons. Tu viens tu dors avec moi? Oui. Et là là. Il fait tellement beau là, c'est fou comment il fait beau. Genre le beau ciel bleu, tout. Puis genre, il commence à. Ben, l'herbe commence à être de plus en plus verte, c'est le fun. Les bonheurs de l'été, quoi. Ok, je sais pas trop si je vous l'avais déjà dit. Probablement, mais mon chat puis mon chien s'entendent pas très bien, ok? Mon chat adore mon mon chien adore mon chat. Mon chat déteste mon chien. Puis là, je pense qu'on vient d'avoir un exploit. Un exploit, dis-je. Regardez-moi ça. Mes deux animaux sont à côté. Ah, Rebelle a s'enfuit, mais il était à côté. Donc, j'ai de la progression à ce niveau-là, les amis, de la progression. Ok, je trouve tellement que mon vlog est nul à chier, là. Genre, tous mes vlogs, tous mes vidéos sont nuls à chier. Mais celui-là, il est particulièrement poche. Mais, c'est ma vie en ce moment. Étudier et boire du café glacé. Et puis, un petit peu m'occuper. Oh my god. Exploit. J'ai
deviné ce que je voulais faire pour ce soir. Merci le camion qui vient de passer. J'ai fini ce que je voulais faire pour ce soir au niveau des devoirs. Yes! Mais j'utilise quand même mon dos de matière. Après, si vous me demandez pourquoi j'ai mes lunettes sur ma tête, il est arrivé un malheureux instant. J'ai échappé mes lunettes dans la piscine parce que je dansais en tout cas là. Quand j'étudie, il faut genre que je me concentre puis genre je marche ou je danse. Je sais, c'est un peu fucké. Mes cheveux aussi, c'est un peu fucké. Hein. On va se l'admettre. C'est ça. J'ai déjà fait, puis là, sont tout sales. Fait que je vais les nettoyer. Fait que là, j'ai fini ce que je voulais faire au niveau de mes devoirs. Mais, OK! Oh, hi! Bon, fait que là, on est mélangé à la dernière partie du vlog, en tout cas, je pense. J'avais passé une commande sur H&M dernièrement, la semaine dernière, puis j'ai essayé de la recevoir. Bien, je viens juste le recevoir aujourd'hui. Puis, je vais comme finir mes études pour ce soir avant de l'ouvrir, parce que c'est quelque chose de bien excitant. Donc, c'est comme une chemise, un t-shirt, puis une paire de chaussures, puis une paire de pantalons. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble, parce que moi, j'aime bien ça regarder les hauls dans les vlogs, fait que c'est ça. Fait que, voilà, j'ai commandé... sur H&M cette semaine. Attendez, il faut juste que je reprenne à Iri, à ma meilleure amie. Ok, fait que là, je vais l'ouvrir. J'adore les unboxings. Oh, je me suis commandé deux t-shirts finalement. J'en avais comme oublié un, puis là, je viens juste de le revoir. Oh my god. Il y a quelque chose que. Ok, je vais juste vous montrer, ok. Je me suis commandé une chemise léopard, ok. Je vais la présenter, puis juste à l'aperçu, je trouve que ça a l'air fucking laid. J'espère que ça va être beau, parce que c'est laid, c'est déjà de mal. Fait que... Let's go. Ooh. On va commencer par... oh my god, la chemise léopard. On va finir avec ça. On va aller avec une paire de shorts, mais juste une paire de shorts. Simple, noir, parce que j'en avais pas. Puis genre, c'est un must là. Genre, j'en ai jamais eu de paire de shorts noirs. Fait que, ça a l'air bien. Fait que, juste des paires de shorts noirs là, je les essayerai pas. Celle-là, elle a l'air très bien. Très très bien. Oh oui, ça a l'air vraiment mieux. Avec une paire de pantalon beige très pâle. Je trouve ça super beau. Après ça, ah, c'est ce t-shirt là que je me rappelais plus. C'est juste un t-shirt vraiment simple, je pense que ça m'a coûté 10$. Moi je porte du X-Mall dans tout là. Puis les pantalons c'est pour enfants. Moi. Donc ça c'est rien qu'un t-shirt comme ça. Bourgogne puis blanc. Ça me fait penser à mon ami Audrian. Parce que je trouve que c'est comme genre son style en tout cas. Fait que juste comme ça. Ensuite, cette chose est vraiment cool, ok. H&M a fait une collab avec Post-it. Moi les deux affaires que je viens de me procurer, c'est du léopard puis du fluo. Puis genre. Il y en avait pas là avant, puis comme, en tout cas, j'avais peut-être fait en commander sur ASOS, mais c'est vraiment ASOS, des fois c'est cher, puis comme, j'ai entendu beaucoup de monde qui a commis des frais de shipping, puis ça me tentait pas de frais de shipping pour commander, là, je trouve juste l'ouverture, ok. Puis là, j'ai vu dernièrement la nouvelle collection de H&M, est vraiment insane, puis j'ai fait une collection avec Post-it, donc des Post-it, puis là, c'est genre un vert fluo, là, il paraît vraiment clair à la caméra, mais c'est vraiment un vert très fluo. Oh wow, je capote. Genre, il y avait différentes couleurs. Il y avait soit comme vert comme ça. Je sais pas si on va mieux voir si je... Peut-être que si j'enlève la lumière, mais en tout cas, c'est encore plus flash que ça. Et c'est bright. je vais venir pas y arriver. Ouais, fait qu'il y en avait des jaunes, des roses, des oranges, verts, puis comme noir. Mais moi, je voulais comme vert fluo. Fait que je me suis pris le vert fluo. Oh my god. Holy shit, à quel point mes cheveux vont avoir l'air jaunes. Genre, je sais que c'est zéro flatteur, genre pour mon teint. Puis oh my god, je vais tellement avoir l'air jaune là. Oh my god. On dirait que je suis pas sûr. Oh my god, je suis vraiment pas sûr. Mes amis, qui j'avais aucune de mes amis, genre à part genre mes amis en mode genre qui approuvaient mon choix là, qui. Genre tous mes meilleurs amis, genre ils approuvaient zéro mon choix de m'acheter une chemise léopard. Mais comme c'est en viscose, puis j'adore la viscose. Je vais l'essayer parce que je suis vraiment pas sûr. En tout cas, je l'essaye. Ok, je suis zéro convaincu. Oh my god, que c'est dégueulasse. Je suis
zéro convaincu. Genre, j'ai l'air d'une pute. Genre, limite d'une pute, genre. Ou genre d'une grand-mère, comme d'une matante cochonne, là, genre. Genre, oh my god, premièrement, c'est ici le col en V. I don't want to see all my nipples. Pis genre, là, la caméra, ça paraît vraiment plus dégueulasse qu'en vrai, là. La couleur est plus belle en vrai, mais comme, je pense que ça peut être possible, mais regardez comment elle grande first, pis genre les manches. Je vais la garder pareil parce que j'en voulais une. Il va juste falloir que je trouve un moyen pour genre l'accessoiriser. Je pense que je mettrai un t-shirt noir en dessous pour cacher ça. Au niveau des manches, ben je peux pas faire grand chose, mais je mettrai une veste de jean puis je rentrerai premièrement tout ça dans mes pantalons. What's up la gang, c'est moi qui fais le montage. Puis oui, je l'ai essayé. Puis quand que on met une, j'avais mis un t-shirt noir, j'ai pas de photo. Mais un t-shirt noir en dessous avec la veste, des pantalons noirs puis une veste de jeans, c'est mille fois mieux, même que c'est quand même joli. Fait que vous allez pouvoir voir éventuellement sur Instagram. Voilà. Comme ça, avec des pantalons noirs, ça peut être plus beau qu'une veste de jeans. Fait que, c'est un moyen de la styliser déjà là, c'est moins pire. Fait que, en tout cas, je verrai ça, j'ai envoyé ça à mes amis, ils montrent ça bien drôle, puis ils vont rire de ma gueule. Mais, c'est pas. J'étais un petit peu moins certain de mon choix. Ouais, Chris m'a moins certain de mon choix. Mais comme, regarde, demain c'est vraiment moins pire. Sauf que le motif, je porterai peut-être pas ça à, dans ma ville, parce que une petite ville, mais ça en fait, je m'en vais manquer le 1er puis le 2 juin avec mes amis, justement, puis je voulais l'amener pour ça, genre. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Fait que, en tout cas, on verra. Je vais sûrement la mienne, je vais trouver un moyen pour accessoiriser. Ça, je vais être capable. Fait que voilà, sur ça, sur cette chemise un petit peu malaisante, je vous dis bye, puis on va se retrouver bientôt dans un prochain vlog. Bye bye tout le monde.